Eh bien, salut tout le monde, c'est Jocrème, et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de l'aventure suivie. Et aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Frost83, salut toi. Salut. Voilà, et donc, je crois que tu es toujours aussi content de tourner cet épisode, autant qu'ils sont contents de regarder cette aventure suivie. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans le Nether, parce que entre l'épisode 3 et 4, on a récolté de l'obsidienne avec notre pioche en diamant, on a construit un portail du Nether, on a sécurisé la forteresse, enfin, on a trouvé la forteresse, on l'a sécurisée, on a un minimum de farm pour le spawner à Blaze, enfin, on l'a préparé au farm, c'est-à-dire qu'on l'a isolé. C'est prêt pour le farm. J'ai sécurisé, j'ai fait une alvée sécurisée et tout. Et on a récolté un peu de minerai. Entre temps, en off, on a trouvé un peu de diamant, du fer, de l'arabstone, un peu d'or. Et voilà. Voilà, donc moi je te propose de faire une épée en diamant tout de suite. Une épée en diamant. Oui, voilà. Et j'ai une tasse d'enchantement. Oui, donc. Un point de diamant. Un point de diamant. Les bâtons ils sont. Il faut prendre de l'obsidienne, donc je récupère la pioche en diamant. Quoi, dis quoi ? On n'a pas d'obsidienne. Mais je vais aller avant toi. Ah non, viens. Hein, quoi ? J'ai une idée. Bah, tu vas prendre l'obsidienne sur le portail ? Non, viens, t'inquiète. Ah oui, l'obsidienne, le double portail là qui s'est bugué ? Oui, parce qu'en fait on a trouvé un double portail. En fait, je sais pas pourquoi. Un double portail, on vous montre ça tout de suite. Voilà. Attends, 2 minutes, d'abord je me prends une petite épée en fer. Voilà. En fait, on a eu un bug quand on a traversé le portail du côté du monde normal. Quand on a atterri dans le Nether, on s'est rendu compte qu'il y avait une double couche d'obsidienne. Et on sait pas pourquoi. Deux couches. Donc moi je te propose de prendre 4 obsidiennes pendant que moi je vais leur montrer il y a un ghast, la forteresse où on l'a trouvé et je vais leur montrer comment on l'a sécurisé. Donc ici. Alors j'espère que ton caméscope ne va pas bugger pendant l'épisode, parce qu'en fait c'est la première fois qu'on tourne cet épisode 4 en fait. En fait, on avait fait deux fois auparavant, mais à chaque fois sa caméra avait bugué. Voilà. C'est aujourd'hui la troisième fois le troisième essai de cet épisode 4. On a une dernière obsidienne. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai 4 obsidiennes, je retourne à la maison. Ouais, je l'ai pas vu. Ouais, donc le spawn à Blaze il est là, t'aurais dû mettre une couche de cobalt supplémentaire. Parce que les Blaze ils passent. Quoi ? Du truc sécurisé. Enfin, de... Ah bon, ils passent de Blaze ? Bah oui, ils font deux de haut. Bah oui. Ah oui ? Bah oui, ils font deux de haut. Tu l'as mis à deux de haut. Hein ? Oh non ! C'est quand on a. On a farmé. Bon, prends un bloc du cobalt et. Ouais, t'inquiète. J'ai vu, hein. Alors, craftons cette table d'enchantement. Vas-y, fais-toi là. Et voilà, on a une belle table d'enchantement. Et tu vas la mettre où ? Bah, pour faire une salle. Je fais pas une salle. Bah, vas-y, je te laisse faire la salle pendant que moi je vais farmer tout ça. J'en ai marre. Il y a un gros tube de magma qui m'a sauté dessus. J'ai bientôt plus de vie, il me reste 4 coeurs. Et c'est le fail, j'atterris dans la salle de Super Mad Max. Voilà, parce qu'il s'est fait une salle, hein, on vous l'a pas montré, mais il s'est fait une salle. Dès qu'on vous montre, c'est... Ouais, ouais. Dès que... La prochaine fois que je me fais tuer... Quand on aura l'invité du jour, il a divisé habité dans la maison. Voilà, il a donc je sais pas où je vais faire cette salle, si vous êtes là. Ouais, si, c'est bon. Donc là. Alors, j'attends que mes cœurs remontent. Encore un. Ah, il me faut des échelles. Là, il me faut du bois, des sticks. Bah, on n'a plus beaucoup de bois. Ouais. Voilà, c'est bon.
l'ai mis, je vais aller chercher mon matos. Ah, j'ai fait un portillon. je vais vite chercher mon matos. J'ai un bâton. T'as un bâton, vite, rentre. Non, je peux pas rentrer. Je fais un bébé. Oui, mais qu'on fasse l'alambic. Oui, parce que là, il me reste deux cœurs plutôt. Donc, il me reste deux cœurs. Ça m'étonnerait que je ne meure pas pendant le long de cette escade, de cette marche. C'est quoi ? Enfin, de cette traversée. Alors là... Cette traversée du désert. Avec tous les gaz, les pigmen, les cubes de magma, je crois pas que je vais rentrer. C'est déjà de faire les dimensions de la salle. Pour que je suis tombée sur un oxygène. Oh là là, il y a le salle d'enchantement qui est juste au-dessus du portail. Du coup, j'ai. Je vais prendre un peu de verrugineuse. C'est l'élément principal pour. Alors, dimension. Voilà. On prend encore un peu. Je vais en prendre une trentaine. Donc quoi, alors, tac. Voilà, et maintenant. Allez. Ça doit être ici. Combat épique. Voilà. Contre un cube de magma. Déjà, il me reste 5h30. Où sont les diamants? Dans le coffre. Les diamants. Il est dans le coffre. Et as-tu fait l'épée? Et voilà. Non, pas encore. Je t'ai donné 2 diamants pour les faire. Non, j'ai fait la table en chauffant, moi, donc je fais l'épée. D'accord, vas-y. J'ai cru que... Tu es enchanté. J'ai cru que... Tu es enchanté. Non, chante la pioche. C'est mieux. Oui, mais j'ai 26 niveaux, donc j'ai enchanté les deux, au pire. Ouais. Je peux pas un bouquin pour l'été. Ah ben non, mais je suis bête, il n'y a pas de bibliothèque. Ah ben oui. Donc il reste... Est-ce qu'on les enchante maintenant ou on attend d'avoir des bibliothèques? Non, on attend les bibliothèques, hein. Je sais ce qu'on a oublié, il faut faire les cultures de canne à sucre. Ouais. Oh. C'est de la faire. Ouf. Le. Comment ça s'appelle? Le ghast, il a tué le cube de magma. Ah, je suis en feu! Ah, oh. Bon. À chaque fois que je veux aller dans le nether, je me fail, hein, à tous les coups. Ce n'est pas possible d'aller dans le nether. Mais c'est dit, il fallait rentrer avant de te faire tuer. Bah ouais, mais je voulais récupérer un peu de verrugineuseur et des boules de magma. Ouais, mais les verrugineuseurs, il y en a près de la base du nether. Bah oui, c'est ce que je fais là. À chaque fois, je vais les chercher près de la base. Donc, ça va. J'ai le bâton blaze, j'ai perdu mon épée. Ouais, par contre, j'ai décidé d'user la pioche en diamant pour faire les améliorations de la maison. J'ai déposé la pioche en diamant, l'épée en diamant, ok. Je tue 4 cubes de magma au bâton de Blaze. Hein? Ça fait ça pour laser. Mais d'abord, comme. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'épée en diamant aussi, ça fait un peu sabre laser, on dirait. Non. Un tout petit peu. Non. Pas l'épée en diamant? Non. Quoi? donc j'essaie de chercher mon épée. Donc moi je ne la vois pas, vous devant votre écran, je suis sûre vous êtes en train de vous dire mais elle est là juste devant toi. Non mais moi je la vois pas, hein. donc je suis mort. Super. Mince. Donc voilà, je suis très content, je viens de mourir. Non, en vrai je suis pas content. Voilà, donc on va faire ce qu'on peut, hein. J'espère que le bâton de Blaze que je me suis donné du mal à le... Ah bah disparu. Ah, ouais. Il y a un mur au moins. Ouais, mais j'oublie de la mettre à chaque fois. En fait, je la ramasse, mais j'oublie de la mettre. Elle est là. Je la mets là. Ouais. J'ai trouvé mon épée. Ah, il y a un mur. Ouais, j'ai une boule de magma. Vas-y, le bâton de Blaze, il est là. Mais mon armure, c'est bon, je rentre à la maison. Ah, je vais aller vers le dinosaure. Vite, vers le dinosaure. Ah, la soul sound. Ah,
La soupe sort vite. Moi, je vais y arriver, je crève. Ah, mais c'est des petits, ils sont inoffensifs. C'est des petits, là. Ils sont... Ah, quoi? En fait, là, je combats des petits, ils sont inoffensifs, donc c'est pas grave. Par contre, j'ai qu'une boule de magma, en fait. Là. Je combats que des petits cubes de magma. Ils sont inoffensifs, ces trucs. Voilà. Je récupère. Oh, deux. C'est quoi ce bug? De 28,1 heures, je suis passé à 64. Oh, voilà. Tu verras dans l'épisode, je sais pas si c'est un bug. T'as récupéré un stuff? Ouais, sans doute, parce que j'en avais déjà 30 et quelques. Donc, ouais, je pense c'était mes 30 que j'avais. Voilà. Donc, une quarantaine de. Elle est trop grande, de base. Bon. Voilà, 40 sous le sand. Bon, plein presque. 40 sous le sand, ça doit suffire avec un stack de Verive Nether. Par contre, j'ai qu'une boule de magma, là, ça me convient pas. Ok, on pourra faire 3 potions. C'est pas grave, on rentre déjà avec le bâton de Blaze. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Et on fera la lambic. Par contre. Ouais, les potions, on peut. Allez. Il est là, donc. Kamikaze! C'est bon. Je suis passé. Attends, voilà, c'est bon. Maintenant, je vais tout remplir, tout ça part de la terre. Donc moi, je rentre dans le portail du Nether. Donc, il y a un petit bug, je n'arrive pas à rentrer dans le monde normal. Excusez-moi. Ouais, désolé, hein, c'est un petit bug comme ça. Et donc, je vais te passer mon bâton de feu. Le chrono, t'en es où? Ça fait combien de temps? 12 minutes. 2 minutes? Non, 12. Ah, 12. C'est où ça, l'alambic? C'est là. Et une belle alambic, comme tu m'avais dit. L'alambic, on va la mettre sur la table de crabe. Voilà. Voilà, comme tu m'avais dit. On va la poser sur la table de crabe. Et voilà. Et voilà. Une belle alambic sur une table de crabe. On dirait un atelier avec un chapeau. Est-ce que t'as du verre? Verre? Je crois qu'il y en a dans le four, dans le four de rez-de-chaussée. D'accord, j'y vais. Attendez, d'abord je vous montre juste la salle de Flipper & Max. Donc c'est lui qui l'a créé. Enfin, pour l'instant, en fait, en bas il veut faire une maison, mais pour l'instant elle est pas finie. Donc voilà. Essaye de faire une vidéo de 20 minutes. 18, ça suffit. Ouais, 18. Ouais. Ah, de 32 fer, voilà, super. Enfin, 32 verres. Donc ça se fait où déjà les flacons? Là où il y a les seaux. Les flacons, ça se fait... Donc j'en fais combien? 3, 6, 9, 12? Comme tu veux. Si t'as remis 15 ans, peu de verre. 6, allez. 6. Non, 9. En fait, je dis 6, mais j'en ai fait 9. Voilà, j'ai fait la salle. Ok, je suis trop fort. Comme ça, c'est trop fort. Alors en fait, je mets les fioles d'eau vide dans l'alambic. Est-ce que t'as un deuxième blaze rod? Non, j'en ai qu'une, désolé. Ah. Donc je mets une virus du Nether. On va reparler plus, on retournera. Donc les virus du Nether. Les virus du Nether, on les met où dans le coffre? Ça va pas marcher si le plafond est que 2 de haut. De quoi? C'est sûr, ça peut pas marcher. La culture ne peut pas être optimisée au maximum si le plafond ne fait pas 3 de haut. Non. Donc, moi je te propose de faire les murs. Enfin, pas encore, on les fera en off. Enfin, toi en off. Et pour la peine, tu t'es bien donné du mal à faire cette culture, donc je te donne une bouteille d'eau. Ouais, une bouteille d'eau. Donc je te propose de la boire. Maintenant tu peux la remplir et me la redonner. Et me la redonner maintenant. Tout de suite. Voilà. Donc maintenant je fais c'est un bug.
Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je fais quoi là? Je fais des potions de résistance au feu. Ouais. Allez, avec une crème de magma. Ouais, je vais prendre. Je n'ai pas de diamant. De la redstone. Non. Voilà, je prends un peu de redstone. Mais faut de la bouffe. C'est quoi ça? De la bouffe, de la bouffe. Ah, c'est d'enchantement. King. J'ai fait que la moitié de la salle. J'ai remarqué. Ça peut pas remarquer, hein, mais j'ai vu la moitié de la salle. Voilà. Ça sert à rien. Je fais quoi? J'augmente les feux ou j'augmente la comment ça se fait si on tombe des zombies? Je sais pas, moi. Je fais quoi? J'augmente les feux. Non, j'ai baissé le son de mon jeu. Je fais quoi? J'augmente la durée ou l'efficacité? La durée. Et l'efficacité ou que la durée? Est-ce qu'il y en a quelques-uns pour faire des splash? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des... Oui, il y a des gueules poudre. Combien? Deux. Non. On l'use pas. Deux gueules poudre. On l'use pas, on fera la TNT. La TNT. Non, on fait pas la TNT. Oh. On peut tout faire péter à la TNT. Pas les quoi déjà. Mais moi, je te propose... Voilà, je sais plus quoi. Je te propose, en fin de série, dès qu'on aura battu cette Ender Dragon, je te propose de faire plein de TNT et faire péter la maison. Non, parce que dans une prochaine mise à jour, il y aura un nouveau boss qui s'appelle Weaver Boss. Je sais pas si tu connais. Si, je connais, mais oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, Donc, Flipper and Max a rejoint notre groupe d'amis. S'il veut rejoindre la partie... Salut à toi. Hein, donc, ouais, salut à toi. Si tu veux rejoindre la partie, ouais. Tu peux. Salut à toi. Hein? Salut à toi. Ah oui, c'est ça. Non, en fait, on est en pleine vidéo, en fait, là. Ah bon? Oui. Potion à l'essence, sauf je prends. Faut faire quoi pour potion? T'as fait les splashing? Bah non. Ah bah, c'est toi qui voulais les faire. Ah mais non. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Tu veux faire des... Attends, c'est jeune. Dernière, voilà. 1, 2, et la dernière, elle est là. Ah, je peux faire un saut, je sais plus quoi. Je sais pas. Moi, je te propose de dormir. Pourquoi pas. Allez. Ah oui, il fallait du temps. Des torches. Donc, Excusez-moi, j'ai débranché mon micro, par erreur. Excusez-moi. J'ai l'impression que les potions de restant... Attends. Ah non, d'accord. Donc je vais faire d'autres potions et je vais faire des potions de je ne sais pas en fait. Donc il a rejoint la partie, donc salut à toi, même si tu l'as pas dit. Donc voilà. Voilà, j'ai presque 4, j'ai 3 stacks et demi de torches. Super, vas-y, comme il y a quelqu'un qui me demandait de mettre plus de torches quand j'allais miner, donc passe-moi un stack. Comme ça. Attends. Il est bien. Enfin, comme ça, il s'y vient. Un stack de torches. Tiens. Donc voilà, vous avez présenté la maison de Flipper and Max. Enfin, la maison des invités, on va dire. Encore une porte. Et donc, ça fait combien de temps? Ça fait 18 minutes, 19! Donc, on va se quitter dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et mettez des pouces verts, ça me ferait plaisir. Et ciao tout le monde.